Allez, salut tout le monde, c'est Azuric Pérassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 de notre aventure 100% sur Fire Emblem Three Houses. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué notre combat face aux brigands dans lequel on avait malheureusement perdu une unité à cause d'une erreur de ma part. Je pensais qu'on pouvait la mettre là pour le terrasser, mais pas du tout. Et donc du coup, bah, aujourd'hui normalement on va en finir et ça sera tout simplement avec notre cher Ignace. Donc Ignace, il va en finir et je vais ouvrir à mon chat parce qu'elle est chiante. Allez madame. Allez madame. Alors. J'aurais jamais dû écouter ce crétin. Quelle erreur. Ah. Oui, niveau 2. Plus une de technique, une de vitesse et une de chance. Je m'améliore. Et voilà, ces bandits étaient condamnés quand ils sont entrés dans ce canyon. Ils n'avaient pas la moindre chance. Votre commandement était excellent, professeur. Laissons l'ordre s'occuper du reste. Niveau terminé, la mission du canyon rouge en 15 tours. Héros, évidemment, Marianne. Marianne a atteint sa motivation maximale. Ok. Thank you! Bah écoutez, putain, sachant qu'il me reste, bah du coup, en comptant celui-là, 20 et... ouais, c'est ça, 3 épisodes à faire, c'est un truc de dingue comme c'est passé vite du coup. Je me rappelle la quantité de cet endroit depuis quand l'appelle-t-on le Canyon Rouge? Je me demande comment tu peux te souvenir de ce lieu. T'as le cœur bien sensible, chaque fois que quand je parle, tu prends peur. C'est juste surprenant, je n'ai pas peur. Crois-tu vraiment pouvoir me mentir? Ça m'attriste que tu essayes de me dissimuler tes sentiments. Quoi qu'il en soit, je suis fasciné par ce lieu. Si je me trompe pas, tu n'as jamais mis les pieds ici. Pourtant, ce lieu m'est familier. Voilà qui est étrange. Je me demande si mes propres souvenirs... J'admets que j'ai quelques doutes. Hormis son nom et ce sentiment inexplicable de déjà-vu, je ne me souviens de rien. Mais des émotions remontent de sa familiarité, de la joie, de la tristesse, de la douleur et de l'affection. Et si je suis venu ici, par le passé, je me demande ce que j'y faisais. Professeur, que faites-vous? Nous devrions rentrer au monastère. Au monastère! Il faut partir. Mais le temps révélera tous mes souvenirs, qui finiront bien par ressurgir un jour où je serai que j'ai perdu. Tu as mérité ma gratitude. Les brigands qui avaient envahi ce lieu ont été anéantis. Tu as mérité ma votre gratitude. J'ignore exactement pourquoi, mais je te suis reconnaissante. Quoi qu'il en soit, tu dois t'habituer à m'entendre parler. Si tu sursautes à chaque fois, ça pourrait devenir bien embêtant. J'avoue. Oh, mais ça ne te surprend pas, pas vrai? Bien sûr, je plaisantais. Et oui, du coup, bah, normalement, on va passer à un nouveau mois du calendrier. Professeur, vous aviez l'air hypnotisé par le canyon sur le chemin du retour. Quelque chose s'est-il passé là-bas? En fait, on va lire la vérité. Moi, je suis... Vous aviez une impression de déjà-vu? Ah, je ne saurais en dire de même. Peut-être... Est-ce le souvenir de votre enfance ou d'une vie intérieure? Quoi qu'il en soit, si vous ne devez vous en rappelez pas, nous ne pouvons rien y faire. J'avouerai cependant que ce canyon avait quelque chose de captivant. Pourquoi donc Xanado a-t-il surnommé le Canyon Rouge? Je ne crois pas y avoir vu quoi que ce soit de rouge. Ah, peut-être le rouge c'est en rapport avec le sang. C'est à mon avis un champ de bataille. C'est comme les Romains disaient que Mars était une planète, une terre rouge. Parce que du coup, en fait, tout simplement, elle était si rouge comme si c'était du sang. Et en fait, du coup, ils croyaient que... Et finalement, il s'avérait que... Voilà, quoi. Et vous avez donc vaincu, et de toute façon, un petit peu dans la mythologie, j'aime pas appeler ça comme ça. C'est dans le truc, soi-disant, il y avait vraiment une guerre là-bas. Vous avez donc vaincu les brigands sans heurte. Je prierai pour le salut de leur âme.
Mais pourquoi sentons-ils des prix aux élèves? Nous devions déterminer la cause de cet affront. Pour l'heure, je vous prierai d'apporter votre soutien aux élèves et de soulager leur inquiétude. Bien, je ferai de mon mieux. Merci. Je place de grands espoirs en vous. En fait, quelles sont vos impressions sur Xanado? La légende dit que jadis, une déesse est descendue en ce monde dans un canyon. Pour une déesse venue des cieux, Xanado ne pouvait représenter qu'un havre temporaire. Un havre temporaire? Ah, dans ces temps très reculés, Saint Serios reçut la révélation de la déesse, un présent destiné à guider les âmes perdues. Depuis son royaume céleste, la déesse veille désormais sur Fodlan. Ça fait très très Zelda d'un coup. Waouh, ça fait de ouf Zelda! Cependant, dans les temps anciens, ça fait de ouf Zelda, hein. La déesse en personne honora ce monde de sa présence et lui offrit le salut du peuple qui l'habitait. Mais c'est ouf Zelda! What the fuck? Mais attendez, mais ça pouvait pas, ça peut passer dans Skyward Sword ça normalement. C'est quoi cette connerie? Ah, oh, je suis choqué. Et elle, mère de toute vie et jugée de toute âme. Elle est mère de toute vie et jugée de toute âme, ok. Mon père ne m'a jamais rien dit. Il voulait me protéger, mais... Je vois. J'espère que vous profiterez de votre séjour ici pour vous consacrer aux enseignements de Serios. Dabria, veuillez me pardonner cette interruption, mais je dois vous parler de ces brigands. Très bien, nous reprendrons cette discussion à notre prochaine rencontre. Une déesse? Je ne me rappelle pas de l'avoir rencontrée, mais il est vrai que je n'ai plus aucun souvenir. Oh, comme c'est troublant. C'est comme si je me souvenais, mais en fait, je ne sais rien. Peut-être ai-je vécu à Xanado, à l'époque de la déesse? Si tel est le cas, que suis-je? Un fantôme? C'est probable. Honnêtement, tu es stupide ou quoi? C'est impossible. Tu es vivante, belle et bien vivante. Oui, mais pourquoi t'es en fait finalement une âme? Si t'es une âme, t'es un fantôme. Hein. Tu peux pas être autre chose de base. C'est dur à accepter, mais c'est une réalité. Fantôme, ça veut pas dire non plus une mort. Ça veut dire tout simplement que l'endroit où t'as vécu et si t'es morte là-bas parce que ton souvenir se souvient énormément. Ton souvenir, en fait, au cas où, le souvenir de l'âme, et si la mort était si violente, elle se souvient très fortement de ce qui s'est passé, et du coup, cette âme-là revit sur le long terme, ce court instant, et du coup, tu as cette âme-là, tu as le passé de cette âme-là, enfin, en tout cas, tu as le souvenir de ce passé de cette âme-là, dans ton fantôme à toi réellement, en gros. C'est bizarre, je sais pas si vous me comprenez, mais en gros, si la mort était si violente, etc., l'âme se souvient de ça, et l'âme, et du coup, c'est pas pour rien que, par exemple, il y a tellement de témoignages d'effets paranormaux ou de fantômes qui ne quittent pas le lieu parce que la mort était tellement violente, et c'est pas pour rien que, par exemple, même certaines personnes, tellement qu'elle était violente, tellement que c'est violent, en fait, il y a des fois des fantômes, par exemple, d'une personne qui fait la cuisine, ou quoi que ce soit, en tout cas, dans certains bateaux, dans certains hôtels, ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc si, c'est possible. D'accord, on ne sait toujours pas pourquoi je suis ici avec toi. Ceci est peut-être lié à cela. Peut-être qu'un regret oublié m'interdit de quitter ce monde, et m'oblige à te suivre partout. Non, c'est tout aussi absurde. Je refuse de croire que mon existence est aussi futile. Nuée blanche, les chapelets, une insurrection dans la brume. When the warm winds blow from the sea to the south of Adrastia, residents of Fodlan know that the rainy season is upon them. Before the heavy rains take their toll, young women hurry to pick the last of the white roses. Il y a des privés de jokes à chaque licence de Nintendo à chaque fois. Ça me termine.
De nouvelles zones du monastère peuvent être explorées. Ouais, la dernière. L'église de Sarios vous a octroyé 2000 IQ pour les activités du mois. Ouais, c'est un gros, c'est un salaire, quoi. À chaque fois. Oh! Hot! Il se passe à début du mois. Professeur, j'ai une nouvelle mission à vous confier à vos élèves. Nous avons été informés que le seigneur Lonato avait levé des troupes contre la sainte église de Sarios. Pourquoi a-t-il fait ça? C'est un des seigneurs du royaume, mais il est de moindre importance. Cela fait déjà bien longtemps qu'il témoigne de l'hostilité envers notre église. Un de nos troupes a déjà été détaché en direction de son bastion, le château Gaspard. Ah! Le château fameux Gaspard dans le également dans Three Hops, la Fire Emblem Warriors. Il y a justement le château de Gaspard. Ses forces ne sont rien en comparaison de notre ordre. Il est fort probable que ses troupes aient déjà été réprimées. Toutefois, je souhaite que votre classe voyage avec l'arrière-garde pour qu'elle s'occupe des conséquences du combat. Gardez en tête que les zones de guerre restent imprévisibles. D'autant fort que vous ayez à vous battre, mais tâchez de vous préparer au pire. Je vous prie de m'excuser. Vous m'avez fait appeler, Dame Rhea. Catherine. What? Je vous présente. Catherine, elle dirige la troupe des chevaliers qui vous accompagne. Je suis ravi de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Elle fait partie des meilleurs membres de notre ordre. Et c'est peu dire, l'ordre de Sarios ne recrute que la crème de la crème. Cette mission apprendra à vos élèves, s'ils avaient la moindre doute, qu'il n'est que pure folie de prendre les armes contre l'église. Pourquoi pas? Sylvain fête son anniversaire. Voulez-vous dépenser 200 IQ pour lui offrir des fleurs? Oui. Sylvain a adoré les fleurs. Et du coup là c'est le monastère. Hey! Le monastère! Oui, le quartier libre! Il y en a même des batailles, on a de tout. Préférence globale. Ok. Why not? Marché, certificat. Certificat. Hey, hey! Certificat. Marianne. Épéiste. Moine. On va faire épéiste. Utiliser un saut pour faire passer à Marianne l'examen d'aptitude suivant épéiste. Ah, ici! Bonus de caractéristiques. Plus 2 de force. D'accord, j'ai réussi! Bah oui, du coup. Le seul bémol, c'est que si on fait ça, du coup, elle peut plus utiliser de la magie, c'est ça? Normalement. Normalé. Mais je pense qu'on pourra équiper, de toute façon, Marianne d'un autre statut. Classe actuelle, épéiste. Après, c'est la classe actuelle, ça. Ah non, en fait, elle avait pas pris de classe, d'accord, je viens de comprendre. En fait, ils ont pas pris de classe. Ah d'accord, en fait ils ont vraiment pas pris de classe, d'accord, je viens de comprendre. Il est juste noble, classe actuelle. Donc ça c'est XP max. Mais par exemple on peut l'apprendre épéiste ou combattant. Ben combattant ça sera beaucoup mieux hein, pour lui. Expert dans le maniement des haches et arcs et gantelets, réputé par sa force qui se traduit par des attaques puissantes. On le fait. Utiliser un saut pour faire passer à Claude l'examen d'aptitude suivant, combattant. Yes, congratulations! Je me suis fort bien débrouillé. Voulez-vous? Bah oui, certifié. Merci. Donc on va pas faire l'autre pour le moment. Marianne, du coup, bah il restera plus que le dernier, mais pas pour le moment. Parce qu'il y a élite. À combattant, mais arc, on va laisser un petit peu après. Attendez, vu qu'elle a besoin de la de toute façon, elle a besoin d'une hache et tout de base, donc autant c'est pas dramatique vu qu'elle est plus équipée pour les haches.
que pour autre chose de base. Il me semble qu'on l'a équipé pour les haches, il me semble. Espère dans le maniement des haches, l'arc éganté réputé par sa force qui se traduit par des attaques puissantes. Utilisez un saut pour faire passer à Azuré qui l'examen des petits suivants combattants, oui. Pour 5% de chance de réussir. Allez, allez, allez. Dis-moi que ça marche, allez. Oh, fuck! Ouais, mais oui. Bon, tant pis. Ok, le marché. Et on va aller du coup au quartier libre. Oui, voulez-vous aller au monastère? Donc là, à mon avis, on va devoir parler à tout le monde. Aider la classe! Vous pouvez demander de l'aide à certains élèves d'autres maisons. Si vous recrutez temporairement l'un de ces élèves, il se rejoindra à vous lors des combats et des missions jusqu'à la fin du mois. Et vous ne pourrez demander à l'aide qu'un seul élève par mois. Il ne gagnera pas d'expérience. D'accord. What? Putain, tout ce qui est là. Vous avez vu tout ce qui est affiché? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ok. Décidément, tu passes beaucoup de temps à venir m'importuner ici. As-tu oublié que nous n'avons pas une minute à perdre? J'aurais dû mieux écouter. Ah, j'ai intérêt de prendre les choses plus au sérieux à partir de maintenant. Oh putain. Ok. Alors du coup, c'est de retour avec 1 milliard de choses à faire. Mais quand je dis 1 milliard, c'est 1 milliard. Oh my god. Vous avez vu tout ce qu'il y a à faire? Il y a même des quêtes secondaires, il y a des tirs à la lingo. Ah, mais du coup, le premier... Oh mon dieu, attendez. En fait, il y a des trucs qui sont débloqués. Ah oui, du coup, il y a un escalier en bas. Et l'escalier, il est débloqué aussi. Oh là 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 là. Bon bah là, dites-vous qu'on va en avoir pour tout le reste des épisodes. Hein. Ce qu'on ne peut pas obtenir ici est très souvent disponible dans les souterrains. Vous ne connaissez pas les souterrains de Garage Markt? C'est un vrai paradis pour ceux qui ne peuvent pas rester à la surface. Ok. Pourquoi pas? Bon bah écoutez, on va explorer, hein. De toute façon... Bah là, de toute façon, c'est ce qu'il nous reste à faire pour le moment. Oh, donc. Conseil de pêche. Ce document décrit les meilleures techniques pour inciter le poisson à mordre à l'hameçon. Qui a cru qu'il fallait en savoir autant pour pêcher? Oui, niveau d'enseignement amélioré. On est passé à D. Vous disposez désormais davantage de points d'activité à utiliser pendant le quartier libre et le tutorat. Vous recevez dorénavant plus d'argent pour vos activités. Bah tant mieux. Ok. Vous avez trouvé Bernadetta. Y'a quelqu'un? Que me voulez-vous? Non, on va pas. Ça peut être bien, Bardetta, mais je pense peut-être le demander. Je sais qui le demandait, donc on peut le recruter. En fait, je peux pas, j'ai encore du mal avec vous, ok. Forcé, ok, oui, y a pas de soucis. D'accord. Papam, papam. En fait, il y a tout qui s'est ouvert, quoi. Il y a tout qui s'est ouvert, quoi. Ok. Alors, du coup. Bon, bah écoutez. Professeur, vous n'aurez pas quelque chose à manger? Mon ventre hurle de faim. J'ai beau manger et m'en faire péter la panse, avec tout l'entraînement, j'ai toujours les crocs après. Mes muscles sont en plein pic de croissance, faut croire. Bon, mais vous savez quoi? On va s'arrêter là. On ira du coup au fameux dortoir au premier étage un peu plus tard. On fera les trucs au premier étage. On fait toujours les trucs par ordre, c'est beaucoup mieux. Et du coup, bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 19. On continuera, on essayera du coup de parler un petit peu à tout le monde, de récupérer bah, ce qui reste à faire. Sachant qu'il nous reste 2 épisodes pour cette semaine à vous enregistrer. Hein, comptant celui qui va du coup arriver, enfin pour la fois prochaine. Et du coup, voilà, donc écoutez, je pense qu'on va les passer ici, hein, vu le nombre de quêtes secondaires, vu qu'il y a des choses
à faire, entre les activités et tout, il y a plein de choses à faire, donc on est là un petit peu pour quelques épisodes. Et du coup, bah, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace.